commence à chercher Myriam. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4. Toujours plus en profondeur. 3. 2. 1. Tu es déjà là, quelque part. Et lorsque tu t'es connecté à Myriam, dis-moi comment tu la vois. Je suis connecté avec elle depuis tout à l'heure et je suis triste pour elle. Que se passe? Parce qu'elle doit beaucoup souffrir. C'est une magicienne. Magicienne, les informations que j'ai eues, c'était que elle peut transformer des choses mauvaises en choses bonnes. Elle peut transformer les choses, entre guillemets. Et c'est ce qu'on essaie de lui enlever. Elle est, tu es remplie d'implants de la tête aux pieds. Je te vois remplie d'implants de la tête aux pieds. C'est quelqu'un qu'on essaie de bloquer complètement, complètement. Alors que je sans les implants, je te vois comme une magicienne. C'est le premier mot qui m'est apparu. Voilà. Tu peux manipuler des énergies, tu peux rendre des choses plus belles. Maintenant, tu vas aller au moment précis où cette interférence elle a commencé. Va à ce niveau-là, au niveau des implants. Que s'est-il passé? Regarde. Bah, j'ai l'impression que ça s'est fait pas que dans une seule vie. C'est pas possible. Ouais, s'il y a autant d'implants. Non, ça s'est fait dans plusieurs vies. Et en fait, elle a accumulé des savoirs. C'est comme si elle avait accumulé des connaissances, des savoirs, des pouvoirs, voilà. Et qu'à chaque fois, on lui remettait un truc pour la bloquer. Donc, elle a accumulé tout cela, mais tout est bloqué en plus par des implants, quoi. Au fur et à mesure, ouais. En fait. Oui, voilà. Retourne dans une vie importante. Et c'est pour ça qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire dans cette vie-là, alors qu'elle peut tout faire. Dans une vie importante. Retourne dans une vie passée importante. Qui peut l'aider à comprendre des choses dans sa vie actuelle, en tant que Myriam. De qui elle est. Je la vois comme une peut-être Moyen Âge ou après le Moyen Âge. Oui. Je la vois comme une herboriste, hein. Quelqu'un qui sait utiliser les herbes et elle soigne les gens avec ça, avec bienveillance. Bah jusqu'à un moment important, un moment où il se passe quelque chose. Dans cette vie-là, je vois qu'elle reçoit une connaissance. Le pouvoir des plantes, elle peut communiquer avec les plantes et elle peut les utiliser.
De quelle manière elle communique avec les plantes, regarde. Par télépathie, elle sait lesquels utiliser, dans quel, dans, quand on vient la voir, elle sait quelles plantes utiliser. Comment perçois-tu son lieu de vie? Bah, c'est une maison simple en Ouais. bois. Donc elle fait ses potions dans ce lieu? Oui, je la vois seule Ouais, elle vit seule. pour l'instant. Oui, je la vois seule pour l'instant. Donc ça se passe comment? Les gens viennent la voir ou bien c'est elle qui se déplace? Regarde. Non, les gens viennent la voir. Elle s'appelle comment dans cette vie? Mélusia. Mélusia. Oui, Mélusia, ça m'apparaît. Mélusia. Tu la vois comment physiquement? Elle ressemble à quoi? Je la vois brune. Grande. Enfin, grande, c'est Pour relatif. l'époque. Oui, pour l'époque, un peu plus grande. Je ne sais pas comment décrire son visage, mais normal. Pas tout à fait celui qu'elle a aujourd'hui. Elle a des traits plus fins à cette époque-là, un peu plus fins. Des cheveux moins plus raides, moins gonflés. Voilà, Regarde. habillé simplement, une cape, une robe, voilà. Regarde si dans cette vie, elle est déjà implantée. Regarde. S'ils veulent déjà la bloquer à ce moment-là. Je vois que c'est dans les épaules, Oui, elle a les déjà quelque petites chose. choses, ouais, mais c'est pas énorme. Mais je vois deux sur les deux épaules des trucs enchâssés comme ça sur les épaules. Et ça sert à quoi ces trucs sur les épaules? Pour qu'elle se trompe dans ses potions. Maintenant, tu vas aller à sa toute première vie où elle a été implantée, la toute première fois, la toute première interférence. Et dis-moi ce que tu vois. C'est difficile, hein, parce que ça remonte pas, ça remonte à loin, je pense. J'aimerais que tu ailles au moment où elle a accepté ce pacte pour la première fois. La toute première fois. Que s'est-il passé? À quel moment elle les a laissés rentrer dans son corps? Alors, ça y est. Je pense que c'était à l'époque romaine. Oui. Elle était
petite fille, mais elle était, enfin, pas, enfin, j'avais le mot orpheline, mais non, elle n'était pas orpheline, elle n'avait pas de père. Oui. Et on s'est présenté comme, enfin, l'entité s'est présentée comme un père, en fait. Il lui a promis quelque chose lorsqu'il s'est Ouais. présenté comme un père. Bah, il lui a promis d'être son père. Elle devait avoir 4 ans, je la vois dehors, jouer dehors. Il arrive devant elle Il s'est et lui présenté de dit, quelle manière face à elle? en humain, Ouais. et lui a dit, je vais être ton père. Elle a accepté. Et... Bah oui, elle, je la vois toute petite et lui est grand, fort. Elle, Le père de comme ses si elle, rêves, quoi. ah bah oui, comme si elle l'adulait, comme si elle attendait ça. Regarde, à partir du moment où elle a accepté sa présence, il a interféré de quelle manière après dans sa vie, regarde. Bah déjà, elle lui a mis un dispositif autour du cou. Oui. Donc c'est le premier, on va dire. Oui, c'est le premier. Il servait à quoi ce dispositif? C'était pour quoi faire? C'est pour la marquer. Ça veut dire que sais pas si je... Bon, je te dis ce que je ressens, hein. Oui. C'est que c'est apparemment ils peuvent marquer les. C'est comme si c'était un marquage en fait. Ça veut dire qu'on sait que c'est à lui. Ouais. Son bétail, quoi. Ouais, on sait que c'est à lui et lui peut reconnaître aussi. Enfin, si par exemple ils ont plusieurs trucs, il sait qui elle, elle est exactement. OK. Bien. Pourquoi il a choisi cette petite fille et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi elle? Parce qu'elle peut leur faire du mal. Ils ont senti un potentiel en elle. Donc c'était pour la bloquer tout de suite. Oui. Quel genre de potentiel ils ont senti en elle? Qu'est-ce qu'elle peut leur faire en fait? Ah bah, elle peut les détruire. Elle peut les détruire, elle peut. Bah, elle peut les détruire, voilà. Elle peut détruire l'entité qu'elle a en face d'elle. De quelle manière? Avec son énergie, juste avec son énergie, elle peut la. Elle peut le détruire. Juste en le touchant comme ça. C'est drôle. Donc elle a Elle le eu, désintègre comme ouais, ça, en le touchant. elle a une énergie particulière. J'arrive pas à déterminer ce que tu dis. Oui, elle a une grande force, une grande énergie, une grande force. Bien. Maintenant, tu vas regarder d'où vient Myriam. Elle est Avant de puissante. s'incarner sur Terre, d'où Ah. vient-elle? De quel endroit vient-elle? Je vois pas d'où elle vient. Elle vient pas de notre planète, mais je vois plein de cristal autour d'elle, et c'est comme si c'était une personne importante, une reine, quelque chose comme ça, une femme de pouvoir.
mais sans parler de pouvoir. Je ne sais Quelqu'un pas comment d'important. expliquer. Oui, je C'est comprends. quelqu'un d'important, mais je ne peux pas parler de pouvoir parce que ce n'est pas une notion de pouvoir, Oui. c'est une notion de Elle est puissante dans ce qu'elle est, quoi. grandeur. Voilà. Elle est puissante dans ce qu'elle fait. Prendre l'information dans ce lieu. Regarde. Dis-moi ce que tu vois. Bah ça vibre assez haut quand même. C'est pour ça que j'ai du mal, moi. Je vois du cristal partout. Je Ouais. vois. Et toi, comment la visualises-tu dans ce lieu? Elle se présente comment? Bah sublime. Sublime sur un trône, sublime en cristal. J'arrive pas à décrire, c'est plus. Je vous dis des choses, mais qui sont moins belles que ce que je vois. Ah ouais. C'est, Ah ouais, on voudrait voir, nous aussi. bah oui, je sais, mais Ça a l'air bien où tu es. je la vois avec un grand sceptre, Ouais. comme ça, sur son, un peu comme, c'est Athéna, mais en, elle est en blanc, Ouais. en cristal, avec des, une couronne de cristal, un siège en cristal, comme ça, tout est en cristal autour d'elle. Du brut, du taillé, une robe faite de pierre, de cristal, Ouais. avec un tissu, mais une robe de cristal. Pourquoi a-t-elle décidé de venir sur Terre? Que s'est-il passé? À quoi est liée cette décision? Elle n'avait pas fait la Terre, elle voulait faire l'expérience de la Terre, de ce qu'était la Terre, de ce qu'était Ouais. de ce qu'était être humain. Donc lorsqu'elle a décidé de s'incarner sur Terre, est-ce qu'elle avait quelque chose en tête à ce moment-là? Des objectifs ou pas forcément? Je peux pas te parler en termes d'objectifs, mais elle voulait aider cette planète. Elle voulait aider cette planète, mais elle savait les conséquences aussi d'être humaine, c'est qu'elle perdait tout ce qu'elle avait, Ouais. tout ce qu'elle avait elle, en tant que, je sais pas ce que c'est comme, comme race, mais. En s'incarnant en tant qu'humaine, elle savait qu'elle allait perdre tout, mais elle, mais c'était pas important de perdre ce qu'elle Oui, elle avait. voulait Elle vraiment savait qu'elle faire est, l'expérience humaine. voilà, une expérience humaine. Bien. Donc quand Mais elle elle a s'est... ramené des choses avec elle quand même. Ouais, tout de même, Voilà. oui. Ouais. Donc lorsqu'elle s'est incarnée, donc est-ce qu'elle a été implantée tout de suite ou bien elle a pu vivre quand même quelques vies sans être parasitée? Non, elle a été implantée dès sa première vie, parce qu'ils ont vu qui elle était. Direct, raison. Ouais. Bien. Donc c'est lorsque tu l'as vue petite fille à 4 ans, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Maintenant, avance dans le temps. Regarde s'ils ont fait des expériences sur son corps. Dans quelle vie? N'importe quelle est-elle. Là, non.
Ils ont fait des expériences mais qui n'ont pas marché. Quel genre d'expérience? Bah, ils ont essayé de faire des hybrides avec elle, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ils ont souhaité faire des hybrides avec elle? Ouais, parce que, bah parce que, en fait, bon, ils sont chelous, ils sont bizarres. Parce qu'en fait, ils ont. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, je vais essayer de simplifier. J'ai tout le processus dans ma tête, hein. Vas-y. C'est qu'en fait, ils ont essayé d'éteindre Oui. ce qu'elle était. Oui. Mais comme c'est un être assez particulier, assez élevé, assez machin, eux, ils ont voulu faire un hybride. Ils ont cru qu'en baissant ça et qu'en manipulant, ils auraient pu faire des manipulations sur elle et faire des hybridations. Et en fait, ils n'ont pas pu, puisque le. Comment expliquer? Malgré ça, son cœur, enfin son cœur, pas le cœur, mais son entité elle-même est trop puissante pour eux, malgré tout ça. Donc à chaque fois qu'ils essayent, en fait, ils voulaient faire une hybridation avec ça, avec elle, mais ils peuvent pas. Ça rate, ça marche pas. Et quel est leur but, en fait, du fait de mettre tous ces implants dans son corps, dans toutes ses vies, au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui, où elle est remplie d'implants dans son corps? C'est quoi leur but à eux, exactement? Ils en retirent quoi, eux, de ça? Bah, il retire toute son énergie parce qu'elle rayonne quand même. Donc il lui Mais pompe de c'est comme s'il y l'énergie. avait. Ah oui, tout, ouais. Et c'est comme si. Bah oui, mais elle rayonne trop pour eux. C'est trop pour eux. Donc C'est trop. Donc, du fait je sais pas d'avoir... quand. Moi, je vois. Enfin, quand je vois à travers de leurs yeux. En fait, t'as l'impression que quand il regarde la planète, bah, qu'il la voit, elle, rayonner comme un phare à 100 000 km, quoi. Donc, eux, ils se disent, celle-là, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour nous. Ben oui. Donc du fait d'avoir mis tous ces implants dans son corps, ça évite qu'elle rayonne. Elle rayonne trop, ouais. Mais quel est leur but en fait? C'est une sorte de petite mort? Ils veulent la maintenir en vie pour profiter d'elle? C'est quoi exactement? Ils en Oui, retirent c'est quoi eux? ça. Bah, c'est un, elle n'avance pas. Ouais. Elle peut pas utiliser ses pouvoirs sur Terre, soit pour aider, soit pour évoluer elle-même. Ou... C'est un espèce de. On dirait un générateur. Ouais, ok. Donc c'est un générateur pour eux et elle est Ouais. bloquée pour elle-même, quoi. Elle ne peut rien faire, Voilà. simplement une pile. Ils Non. l'utilisent comme Voilà, une c'est bonne une pile, quoi, pile. qui dégage beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à sortir de son corps. Ah. Et il ne faut pas, hein, il faut pas qu'elle sorte de son corps. Hein. Dis-moi tout Pour ce que tu vois. l'instant. Elle n'est pas assez forte pour sortir de son corps, là. C'est pour ça que son corps ne va pas loin. Donc Elle n'est pas c'est assez forte. Elle sent qu'elle peut le faire. ouais. Et ça lui demande beaucoup. Et ses implants parasitent tout ça. Il faut pas, il faut qu'elle reste dans son corps parce que sinon ils vont. Bon, je vais pas dire. Elle peut en mourir. Parce qu'elle peut ne pas retourner dans son corps. Elle peut rester coincée dehors, quoi. Oui, elle peut rester coincée Donc dehors. à éviter pour l'instant. Ouais. Faut faire attention. Bien.
Maintenant, regarde donc tout ce qui est perte de confiance en elle, peur de faire des choses, donc ça vient de tout cela. C'est lié à tout ça. En Ouais. fait, tout le système est fait pour la perturber, pour qu'elle soit perdue, pour pas qu'elle avance, pour pas qu'elle trouve des choses. C'est pour Bien. pas qu'elle soit Maintenant, en communion avec ce qui l'entoure. tu vas regarder maintenant. Elle a eu une paralysie du sommeil. Elle en a eu une très intense. Retourne à ce moment-là. Dis-lui de te montrer le moment de cette paralysie du sommeil et regarde ce qui se passe à ce moment-là. Bah, c'est les machines. Elle a voulu faire, je pense, une expérience qui l'a bloquée. Peut-être que son âme, enfin, ce que je vois, c'est que elle a voulu faire une expérience spirituelle, mais qui a été bloquée. Et c'est ça qui a, c'est le dispositif qui l'ont bloqué. C'est le dispositif qui se trouve où, qui l'a bloqué? Ah, partout, sur tout le corps. Ouais, ok, on Comme s'en fiche. un. Je vois que ça fait tac, ça la bloque. Comme ça. Comme s'il y avait eu un espèce de court-circuit. Bien. Maintenant, regarde, elle a eu une régression aussi. Elle a eu du nettoyage de fait. Et par la suite, elle a eu l'impression que tous les problèmes sont revenus puissance 10. Que s'est-il passé? Regarde. C'est qu'ils ont renforcé. En fait, tout n'a pas été nettoyé déjà. Et ils ont mis des choses sur d'autres corps, plus Ouais, haut. ouais. Plus haut, comme ça crée un champ en plus. Du coup, ça a exacerbé tous ces problèmes, Ouais. Je sais pas si on va pouvoir enlever tout ça. quoi. On va faire ce qu'on peut. Ouais, parce il y en a Ouais, beaucoup. il y en a beaucoup sur. Ouais, il y en a beaucoup. C'est la première fois que j'en vois autant. Hein. On dirait une armure. Ouais, complètement verrouillé, quoi. C'est sa force intérieure, hein, qui l'a fait vivre. Qui Hein. la maintient, ouais. Sinon, elle devrait Ah être ouais, morte qui la depuis maintient. Ouais. longtemps. C'est clair. Donc, ça démontre bien à quel point elle est puissante. Ah oui. Et elle veut. Et il faut pas qu'elle aille vivre sur une île. Elle veut aller vivre sur une île, mais c'est entre guillemets, c'est pas elle qui veut ça. Je D'accord. comprends. Elle veut. Alors, elle veut une espèce de paix, mais en fait, si elle va sur une île, elle s'isole. Ouais. Donc ils vont bien Donc c'est ouais. pour l'isoler encore plus Encore si, plus. si elle. Ben oui. Bah oui. Donc c'est pas une bonne Je... idée. Non, c'est pas une bonne idée. Au contraire, il faut qu'elle soit parmi les gens. Elle est là pour être parmi les autres et pour les humains. Pour rayonner sur les humains. Elle est pas faite pour aller sur une île et s'isoler sur une île. Bien. Maintenant, regarde, malgré les implants qu'elle a dans son corps, est-ce qu'elle rayonne tout de même un petit peu ou vraiment plus du tout? Moi, je vois quasiment pas son corps éthérique. Ouais. Je vois que l'armure, là, j'arrive pas. Quand je regarde au-delà de l'armure, Ouais. oui, je vois une boule d'énergie blanche qui rayonne, mais au-delà, Ouais, ça sort pas, quoi. ça va pas très loin, ouais. Ouais. Bien. Donc, regarde, elle a
Elle a des douleurs au niveau de la nuque, des épaules. Oui, c'est ça. Donc tout est dû Oui, à c'est tout ça. ça de toute façon. C'est ça, mais après, ça devient physique. Hein. Ben oui. Ouais, ça crée des douleurs. Oui, ça crée des douleurs physiques. Maintenant, regarde au niveau génital, elle est toujours gonflée. Est-ce que tu vois quelque chose là? Oui, il y a des implants aussi là-dedans, et puis les expériences qu'ils ont faites, ça a laissé des traces. Les cicatrices, oui. Et elle se sent très très lourde comme écrasée. Donc ça viendrait de cette armure. Oui, c'est ça, c'est que c'est même étouffé, je dirais, même étouffé. Et regarde, elle. Étouffé, tout est Ben oui. lourd, tout est pesant, tout est oppressant. Et elle n'aime pas sortir de chez elle aussi, elle est Ouais, c'est toujours pareil. chez elle. Donc, est-ce que c'est une Bah volonté de oui. sa part ou bien elle est manipulée pour rester chez elle? Non, mais c'est toujours pareil, c'est pour l'isoler, c'est pour tout est lourd, pas de volonté, pas de tout est difficile, tout est. Mais parce qu'elle a c'est lourd à porter tout ça, donc Tous ces du problèmes repos, financiers. bah c'est lié. Tout est lié pour pas qu'elle bouge, Elle est pour pas verrouillée. qu'elle puisse peut-être faire des choses pour elle, pour qu'elle aille mieux, qu'elle des choses comme ça. Bien. Maintenant, tu vas vérifier son mari. Regarde, Stéphane. Regarde-le, connecte-toi énergétiquement sur lui et dis-moi comment tu le vois. Bon, il est implanté aussi. Moins quand même. Ça se passe peut-être, ça se passe mieux pour lui quand même. Ouais. Mieux entre c'est relatif. Hein. Oui. Non, mais c'est moins pire que. Ouais, il en a pas autant, tu veux dire. Non, il n'en a pas autant. Bien. Maintenant, regarde ses enfants. Mathis. Il a quel âge, Matisse? Il est jeune encore, je crois. Hein. 10 ans. Oui, c'est ça. 20, 22. De quoi? 22 ans. 10 ans ou 22 ans? 22, pardon. 22 ans. Ah, alors, c'est pas lui que j'ai vu. Alors, 22 ans. Comment il s'appelle? Matisse, hein. Mathis, oui. Moi, ouais, il a des implants, mais pas autant que les parents. Plus fort qu'eux, d'ailleurs. Il est plus fort qu'eux. Enfin, plus fort, plus robuste. Oui, physiquement. Ouais. Et Sarah, sa fille. Alors, celle qui est plus jeune? Oui. Oui. Ah voilà, celle que je vois, alors que celle que j'ai. Oui, elle est implantée Elle a aussi. Oui, 18 ans. elle est implantée aussi. Bien. Regarde si les implants de toute la famille ont été mis par les mêmes entités. Non, j'en vois trois. Tu vois trois entités? Un pour les deux enfants, un pour le père, le mari, et un pour elle.
Donc ce sont trois différents. Trois différents, oui. Est-ce qu'ils se connaissent entre eux? Oui. Donc ils collaborent ensemble. Oui, ils collaborent ensemble, oui. Bien. Maintenant, tu vas te connecter sur le chef, celui qui est à la base de tout ça. Et dis-moi comment tu le vois. Lui, il veut pas se montrer. Je le vois pas encore. Donc tu fais venir ceux qui ont mis les imprimés. Dis-leur de se présenter à toi. Et comment tu les vois? Bah, je les vois là, c'est trois reptiliens. Ouais. Qui est le responsable de ces trois reptiliens, s'il y a un responsable? C'est un reptilien aussi, mais il se met comme un dinosaure, comme un tyrannosaure, quoi. Il montre l'image d'un tyrannosaure, quoi. Voilà. Comment il s'appelle? Quel est son prénom? Je veux pas me dire. Ils viennent d'où? Quel endroit viennent-ils? Il me remontre un vaisseau. Il Ils me vivent montre sur un ce vaisseau. vaisseau? Ils sont tout le temps sur ce vaisseau? Non, ils peuvent aller dans d'autres vaisseaux aussi. Mais sinon, oui, ils vivent. Ouais, je vois qu'ils sont. Bah, après, il ne me donne pas d'informations, il ne veut pas. Oui, il est sur ce vaisseau, oui. Ouais, Est-ce qu'ils ont voilà. déjà emmené Myriam sur ce vaisseau? Oui. À combien de fois est-il allé, est-elle allée sur ce vaisseau? Au moins trois fois. Ils lui ont fait quoi à ce moment-là? À ces trois fois où elle est allée sur ce vaisseau. Demande-lui de te montrer les images. Ah, c'est dur. Ouais, je la vois quand il l'implante. Ça fait mal. La première fois où ils l'ont implanté, c'était sur ce vaisseau? Ou bien ils l'ont fait ailleurs? Non, ils l'ont fait sur Terre. Et pourquoi ils ont eu besoin de l'emmener sur le vaisseau pour cette implantation-là? C'est un dispositif qui est plus compliqué, plus long à mettre. Il servait à quoi celui-là? Bah, je vois qu'ils mettent des trucs partout là dans son dos, ses épaules. Est-ce qu'il y a un but? Non, c'est pour renforcer, contrôler, expérimenter encore des appareillages. En fait, ils s'amusent, enfin je ressens ça, hein. C'est qu'ils s'amusent, ça les amuse en fait. Ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent aller. Ils essaient de voir ce qu'ils peuvent rajouter, ce qu'ils peuvent mettre, expérimenter.
Donc ils ont bien exagéré sur elle. Ouais, parce qu'elle était résistante. Ouais. Donc ils testent sa résistance avec tout Ouais. ça. Et au jour d'aujourd'hui, tu la sens à quel point en niveau résistance? Est-ce qu'ils peuvent encore en mettre ou c'est limite? Oh non, ah ouais, non, là c'est limite, là. Là c'est dur, là. C'est lourd, là. Moi je ressens toute la. Tout le poids, la lourdeur, le. Je me demande d'ailleurs comment elle fait pour marcher, vivre. Tout est lourd, tout est. Tu sais, même tourner la tête, j'ai l'impression que c'est difficile, Ah quoi, ouais. de regarder ailleurs, quoi. Ouais, elle est bien entravée, quoi. Ouais. Donc maintenant que Myriam a pris connaissance de tout cela, demande-lui si elle veut continuer à vivre de cette manière, avec tous ces implants dans son corps, à être contrôlée et à ce qu'on lui fasse des expériences sur elle. Non, non, elle veut qu'on l'aide. Bien. Donc tu vas dire à ces êtres de retirer tous les dispositifs qu'ils ont mis depuis la toute première fois, la toute première vie, jusqu'à aujourd'hui. Ils retirent tout, sans rien oublier. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, ça va être long, hein. Ben. Ils savent pas par où commencer. Eh ben, ils vont commencer par quelque part. Ils savent pas par où commencer pour enlever. Ils en ont tellement mis, ils savent pas. Ah ben Tu sais, ça maintenant. fait un peu comme des Legos de Ouais, partout, quoi. je veux bien te croire. Ouais. Plein de trucs de partout. Ça fait comme une carapace, en fait. Ouais. Alors. Bon, allez, vous enlevez là, hein. Vous enlevez, vous commencez. Et dis-moi qui s'occupe d'enlever ces implants, si c'est eux ou si d'autres viennent. Non, c'est eux. Ils utilisent quoi pour enlever les implants? Bah, ils débranchent des trucs avec leurs mains, après ils utilisent des espèces d'outils comme Ouais. des bras, des machins, des outils ils utilisent. Mais c'est pas Bon, ils vont pas vite, hein, mais D'accord. voilà, j'ai du mal à les. Je sais pas comment ils vont faire, il y en a tellement. On va avancer dans le temps. Tu vas avancer jusqu'au moment où ils ont tout retiré. Va à ce moment-là, au moment où tout est sorti, au compte de trois. Tu avances dans le temps. Un, deux, trois. Et dis-moi comment tu la vois maintenant. Ça me fait de la peine, j'ai l'impression de l'avoir complètement bousillé, 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 Ouais, c'était le but. bousillé dans. Je la vois pas complètement sans tout déjà. Il reste encore des choses. Hein. J'essaie de lui faire enlever aussi tout ce qui est là au-dessus, parce qu'il y a des trucs au-dessus Ouais. aussi. Tout ce que tu vois, Ouais. tout ce qui est à ta portée, ils enlèvent tout. Comment tu vois ces corps éthériques? Ces corps, comment tu les perçois? Si tu arrives à les voir maintenant. Gris. Tu sais, on dirait comme un ballon qu'on a dégonflé. Ouais. Très, très floppy, très. Mais
Ils ont dû supporter pendant Ah bah des vies tous ces implants. oui. Des trous. Ouais, tout est abîmé. Des trous, ouais, tout est abîmé, tout est flétri. C'est un peu flétri, c'est un peu. C'est gris. Bien. Il reste encore des implants, Oh. dis-moi. Est-ce que tu commences à voir un peu plus jour là? Ouais. D'ailleurs, après, je sais pas s'il y a des choses qui sont réparables pour elle. Mais on enlève ça. J'essaie de voir partout, hein, parce que comme il y en Ah ouais, on avait voit pas. tellement. Donc ils doivent tout retirer, ne rien laisser. Tout ce qui a été mis depuis le jour où elle a accepté la présence de ce faux père jusqu'à aujourd'hui. Tu me dis ce que tu vois au fur et à mesure qu'on avance. Oui, pardon, j'étais en train de visualiser, j'étais sur sa tête, son cou, là, ses épaules. Oh, quelle fatigue, quelle fatigue. De l'épuisement, je sens carrément. Je la sens quasiment presque dans les vapes, quoi, inconsciente. Tellement c'est difficile. C'est difficile, hein. Excuse-moi, Bah Rachel, oui, mais là, il y c'est a un peu, beaucoup de choses, hein. y en a beaucoup. Prends le Alors, temps. même si on a avancé dans le temps pour que ça soit enlevé, il reste des choses et je veux pas qu'il reste des choses. Donc tu leur dis de détruire tous les implants au fur et à Ah, voilà, mesure qu'ils les enlèvent, ok? Ils bon, ouais. les désagrègent complètement. Et tu me dis de quelle manière ils s'en débarrassent de tous ces implants. Ils les prennent, on dirait qu'ils les froissent comme ça Ouais. et ils les désintègrent. Ça leur plaît pas, hein. Bah oui. Garde une proie. Comment tu la sens, toi, Myriam, au fur et à mesure qu'elle se libère de ses implants? Est-ce que tu sens un changement en elle ou pas spécialement pour l'instant? Si je sens qu'elle respire un peu plus, Ouais. comme si elle avait été dans un corset, Bien serré. ouais, bien serré, oui. Donc là, les énergies commencent à circuler de nouveau. C'est léger, hein. Bien, on en est où au Ah, niveau ils des l'ont. implants? Ah, ils l'ont. Ils l'ont bousillé. Hein. Demande-leur quelle a été l'expérience la plus utile pour eux. Ils en ont retiré quoi d'intéressant pour eux? Pose la question. Bah, ils étaient contents parce qu'un être comme ça, ils ont pu le contrôler. Il y en a peu. Il y a peu de quoi? D'être comme ça. Sur Terre? Ouais. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Et ils savent qu'ils ont pu, mais ça c'est parce qu'elle a été humaine. Et ils savent que maintenant, s'il y a un être comme ça qui s'incarne,
Ils peuvent contrôler, mais il faut charger quoi. Même ils s'en foutent, eux, ça leur fait rien, ils chargent, ils ont le matériel pour, donc Ben ils font. oui. Ils s'en foutent. Donc ça, ils savent aussi qu'ils peuvent pas faire des hybridations avec des êtres comme ça. Ça marche pas. Est-ce qu'ils ont décidé de ces incarnations également? Regarde. À moitié. À moitié parce que quand elle redevient une âme, Ouais. elle se bat contre eux. Mais comme ils ont une emprise sur elle, c'est comme si elle faisait un deal avec eux. Elle dit, OK, je fais ça, mais vous me laissez faire ça. Je fais ça et enfin je veux bien faire ça, mais moi je fais. Vous me laissez faire ça. Donc oui, des vies pas très, des vies où elle avance petitement, mais elle arrive à prendre des choses quand même. Elle arrive à prendre des choses, à faire des choses, mais c'est comme si, en plus, elle aurait pas dû rester autant. Hein. C'est-à-dire? Ben, elle aurait pas dû rester autant humaine. Là, il la bloque ici, alors qu'elle aurait dû repartir. Ah, elle devrait être retournée dans son Oui, royaume. oui, oui, oui. Elle aurait dû partir déjà. Mais il la bloque, hein. Enfin, il la bloque, hein. C'est un Oui. truc en moins contre eux. Donc, Est-ce qu'elle est attendue dans son royaume? Regarde. Est-ce qu'elle a toujours moyen de communiquer avec eux ou plus du tout pour le moment? non, je vois que c'est coupé. D'ailleurs, ça vient de là aussi. C'est un espèce de mal-être. Est-ce que ça a C'est comme. des... Ouais. Parce que de cette planète, en fait, ils peuvent envoyer comme de l'énergie ou des informations, des choses comme ça, et ça ne lui parvient pas. Et c'est comme s'il y a un lien qui était Et coupé, ouais. comme une source de vie qui était coupée Ouais. pour elle. Est-ce que ça leur pose un problème sur cette planète de ne plus avoir leur reine sur place, ou ça n'a pas d'incidence réelle? Alors ils étaient préparés à ça, ils savaient qu'elle allait partir, c'était prêt, enfin c'était organisé, mais ils ne pensaient pas qu'elle allait partir aussi longtemps. Comment ça se passe pour eux là-haut? Est-ce que tu as des informations que Myriam doit prendre en considération? Bah, c'est comme s'il y avait un manque, un vide, Donc ça a des conséquences. un maillon qui manque. Bon, ben, on aura des choses à raconter à son retour. Bah, ils peuvent vivre malgré ça, mais c'est pas pareil. Ben Voilà, mais c'est pas pareil. oui. Bien, t'en es où au niveau des implants, dis-moi. Regarde. Je vois qu'ils sont pas tous enlevés, hein. Je suis désolé, mais Tu leur dis de tout ouais. retirer, ils enlèvent tout. Qu'ils fassent venir d'autres êtres pour les enlever, même s'il Ah est à voilà. plusieurs, mais ils enlèvent tout. Ouais.
Pardon, je suis en train de regarder ce qu'ils font. Oui, ils ont commencé par les jambes encore, à enlever des choses. Mais tu sais, on dirait que comme s'il y avait plusieurs couches. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est sur différents corps. Mais j'ai l'impression qu'ils retirent un peu, ils retirent et il y a plusieurs couches. Ouais, Donc, oui. c'est peut-être pour ça que c'est plus long. Ben oui. Tu peux avancer dans le temps. Avance dans le temps. Et dis-moi ce que tu vois. Tu peux faire ce que tu veux. Avance dans le temps. Bah, moi, j'ai l'intuition qu'il faut lui donner de l'énergie, là, parce qu'elle va pas tenir, je pense. Attends, je lui donne un peu de... Je lui envoie de la lumière blanche. Vas-y. Ah, voilà, c'est plus simple pour elle. Enfin, c'est plus simple pour tout le monde. Elle se régénère là, se recharge. Oui, un peu, ouais. C'est comme si elle était vidée. Bah oui. Et si tu lui enlèves la structure, j'ai l'impression que C'est ce qui lui permet. elle allait pas tenir. Attends, hein, Rachel, c'est. Vas-y. Excuse-moi, je sais qu'il faut qu'on aille vite, mais c'est un peu. Ça demande du. C'est un peu long. C'est un peu. Il faut faire ça doucement. Prends le temps. Voilà. Comment la vois-tu au fur et à mesure? Elle se remplit de lumière blanche et ça aide, tu sais, ça fait un peu exploser des trucs. Donc déjà, c'est bien. Pardon, hein, moi je suis concentré sur ça. Donc au moment Je où vous raconte tu pas ce qui se passe, mais envoies de l'énergie, ça fait exploser ouais. des implants aussi? Bah oui, parce que c'est comme si tu sais, elle se remplissait Elle se de lumière recharge, blanche et de ouais. l'intérieur. Elle reprend sa Déjà, puissance. ça décolle les trucs là. Et ça fait exploser des. Bien. Dis-lui d'augmenter ses fréquences maintenant, si elle peut, si elle a suffisamment d'énergie. Dis-lui d'augmenter ses fréquences. Et dis-moi ce qui se passe. Bon, elle augmente là, oui, ça désintègre les Bien. choses. Ça va déjà avancer. Ça désintègre les choses. Allez. Donc plus elle va augmenter sa fréquence et plus Oui. les implants vont exploser. Oui. Ils ne vont pas supporter la charge, mais il faut qu'elle prenne sa puissance aussi. Donc elle envoie tout ce qu'elle a dans le ventre. On y va là, c'est le moment. Je l'aide là, ouais. Allez. Et ils réagissent comment les autres autour hein, du fait qu'elle dégage Bah, de ils sont un peu l'énergie? paniqués là Ouais, parce qu'elle est j'imagine, en ouais. train de. J'étais en train de les imaginer. Ah voilà, bah si, si, panique, ils paniquent, ils Bah paniquent, oui. ils paniquent parce que ça devient un peu incontrôlable C'est quoi. ça. Je sais pas s'ils vont pas la faire sortir du vaisseau là. Ils vont faire Remarque, exploser leur vaisseau aussi. mériterait ça. Hein, Ouais. entre nous. Hein. Mais bon, on va pas se mettre à leur niveau. Il en reste encore un petit peu. Bien.
Le restant dans la tête, Ouais. autour de la tête, là. Donc est-ce qu'il continue à lui retirer ou bien c'est elle qui se les enlève toute seule Non, après? c'est elle, Donc elle ouais. finit la tâche. Ok. C'est elle qui retire, donc là, hop, les mains, les pieds. Oh là là, il y en a partout, c'est dingue. Oh. Tu en vois encore? Bon, on arrive à la fin là. Bien. Bonne chose. Donc comment la perçois-tu toi maintenant, au fur et à mesure qu'elle Bah, plus reprend? lumineuse là, plus lumineuse, ouais. Déjà plus blanche, plus lumineuse, plus grande. Elle est grande en fait, hein. Oh là là, au niveau de l'énergie, elle est très grande, hein. Et regarde au fur et à mesure où Tout corps aussi. elle se nettoie. Regarde si la connexion avec sa planète se fait. Est-ce qu'elle peut se faire de nouveau? Regarde. C'est en train de se faire, oui. Bien. C'est en train de se faire. Dis-moi ce qui se passe au fur et à mesure. C'est en train de se faire. Je vois un lien arc-en-ciel. Et très pâle, très joli, très entre sa planète et elle. Hein. Est-ce que c'est elle qui essaie de communiquer avec eux ou c'est eux qui ont repéré le signal en fait du fait qu'elle soit nettoyée maintenant? Non, les deux. Donc ils C'est que c'est se les deux. remettent en connexion en même temps. Oui, c'est que c'est naturel, c'est que l'un trouve l'autre. Bien. Bon, voilà. Bah, on va la faire. Bah, je sens qu'il faut qu'elle aille sur sa planète là Ouais. pour se. Allez, se recharger. Ouais. Pour se Allons-y. recharger. Si elle a la possibilité maintenant, bien sûr. Allons-y. Oui, elle peut. Donc là, je la vois. Avant ça, elle va se débarrasser Ouais, des reptiliens. des reptiliens et des pattes, là. Tu Ouais. leur dis de sortir de sa sphère énergétique. Elle va rompre tous les pactes qu'elle a pu passer avec eux au moment où son père est apparu là. Elle annule ça, c'est terminé. Tous les autres pactes qu'elle a pu faire dans toutes ses vies, elle annule tout maintenant. Elle rompt tout. Elle coupe tout. Et elle leur dit de s'ouvrir un portail et de disparaître complètement. Et de ne plus jamais revenir. C'est terminé. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, ça se fait assez facilement. On dirait qu'elle a repris un peu de pouvoir. Donc, elle a été. Ouais, je la vois qu'elle défait tout ce qui a été fait, tous les pactes et tout ça, et que les vaisseaux et tout ça ont disparu, ils sont partis. Les reptiliens et tout ça. Là, je la vois seule. Maintenant, Seule avec ce lien, avec cette planète-là. retournez sur la planète. S'il faut y aller, on y va. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Ah ben, je la sens fatiguée, faible, fatiguée. Elle est sur le trône là, en cristal, mais la tête abattue, comme si elle avait livré un combat. Ben oui, tu m'étonnes. Elle Donc là, revient de loin en y a des plus. choses qui s'allument, enfin des cristaux qui se mettent en marche, on va dire, qui s'allument. Donc,
Bon, elle sait qu'elle peut pas rester, hein, qu'elle sait que c'est pas le moment de Mais elle se qu'elle recharge. reste, hein. Ouais. Donc elle reste Enfin, le qu'elle temps peut. qu'elle a besoin pour l'instant. Voilà, c'est ça, oui. Comment sont-ils les êtres qui vivent là, autour d'elle? Je les sens gentils, humbles, simples. Ils sont contents de la revoir? Ou tu ressens rien de spécial? Oui, ils sont contents de la revoir, mais ils sont, plus attachés à sa mission. À la mission qu'elle a, ce qu'il faut qu'elle fasse. Et en fait, là, ils sont pas dans le, ils sont pas dans le sens, ah, on est content de te revoir. Ils sont dans le truc, il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on la guérisse, entre guillemets, même si c'est pas de la guérison, mais Est-ce qu'il y a qu'on la. quelque chose qu'elle doit savoir avant de partir? Ou elle-même a-t-elle quelque chose à leur dire qu'ils doivent savoir? Non, elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse attention, par contre, qu'elle pouvait être le. Enfin, elle a été, on va dire, un peu naïve. Donc, elle sait maintenant qu'il faut qu'elle fasse attention, qu'elle est dans une autre dimension ou autre planète où ça fonctionne différemment. Ouais, tout le monde n'est pas gentil ici. Voilà. Tout le monde n'est pas dans cette lumière-là. Non, ça reste très simple, très. Rien n'est grave, c'est juste du temps. C'est juste du temps qui a été un peu perdu. Mais rien n'est fondamentalement grave. Et pour eux, elle sait que bah, ils savent qu'elle va Ouais, revenir. elle a eu des embûches, mais Oui, voilà, c'est c'est pas la même une notion du temps, expérience c'est pour ça. eux. Bien. Maintenant, tu vas regarder dans son futur, dans le futur de Myriam, et tu vas me dire comment tu l'aperçois avec ses nouvelles énergies, avec ses nouvelles dispositions. Regarde dans son futur professionnel et dis-moi ce que tu vois pour elle. Bon, déjà, il y a une période de reconstruction, hein. Ça va pas être tout de suite. Les choses, il faut qu'elles se remettent en place. Il faut que les choses se remettent en place dans sa vie. J'allais dire, il faut qu'elle soit près de la nature. Alors, il y a deux choses. C'est qu'avant de. Je la vois retravailler avec des plantes. Je la vois peut-être faire des élixirs floraux, tu vois, les fleurs de Bacchus, là, enfin, les trucs Fleur de comme ça. bac, ouais. Des élixirs, des machins. Je la vois. Je ne sais pas si ça a une résonance pour elle, hein, mais je la vois refaire des choses avec la nature. Et si elle prend un travail. Bon, je sais qu'il peut-être qu'il faut qu'elle mange et tout ça, mais ça va pas la satisfaire. Donc, il faut qu'elle fasse des choses qui sont en rapport avec la nature. Par exemple, si elle travaille dans un magasin, qu'elle aille travailler chez Truffaut.
Oui. là où on vend des arbres, pas aller D'accord. dans un supermarché ou dans un. Et si elle choisit la voie d'être infirmière libérale, regarde, est-ce que ça peut lui convenir? Oui, elle peut faire ça. J'ai vu une notion scientifique un peu avant, de laboratoire et tout ça. Elle peut faire ça. Donc c'est quelque chose qui lui convient. Oui, mais elle fera autre chose. Enfin, elle a cette notion avec les plantes. Il faut qu'elle en fasse. Elle va arriver à ça à un moment donné. Mais elle pourra rester infirmière. Oui, c'est ça, c'est bien. Infirmière, c'est bien. Elle fera des potions pour les Oui, elle malades. fera peut-être des potions, oui. Bah oui. Bah oui. En plus. Oui. Regarde si les reptiliens vont essayer de revenir. Il la surveille. Donc, on va dire que oui. Est-ce qu'ils Donc, il faut qu'elle peuvent fasse attention. agir au travers de son mari et de ses enfants? Non, si elle garde une énergie élevée, non. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Là, on n'aura pas le temps de désimplanter tout le monde, hélas. Mais bon, déjà, elle est tranquille. Est-ce que du fait de rayonner maintenant très fort, ça peut désagréger les implants de son mari et de ses enfants? Regarde. Est-ce que ça peut faciliter le processus? C'est pas suffisant. Elle peut essayer de le faire. Elle peut essayer de le faire en conscience. Ça veut dire prendre chacun, se concentrer sur eux et avec ses mains passer partout et dire qu'elle désagrège les implants. Elle peut essayer de faire ça, mais juste sa présence, non. C'est pas suffisant. Il faut faut qu'il y ait une volonté derrière. Connecte avec son mari, Stéphane. Rebranche-toi sur lui. On va donner un Alors petit coup de attends, pouce. je suis connecté avec elle. Attends 2 secondes. Hein. Parce que j'avais un autre truc à lui dire. Si elle est infirmière, si elle travaille dans une grosse structure, il faut qu'elle travaille dans une structure où il y a de l'amour dedans. Parce qu'il y a des structures qui sont plus froides que d'autres. Et il ne faut pas qu'elle reste dans des environnements où on n'aime pas les gens, où on est là juste pour son travail. Voilà. Et donc elle peut après aider comme ça. Donc alors Stéphane. Stéphane, c'est ça? Ouais, connecte-toi sur Stéphane. Stéphane, Stéphane. Alors attends, parce que je suis bien connecté avec elle, j'ai du mal à. Tu veux rester dans le château? Alors Stéphane. Oui, Stéphane, ça y est, je l'ai. Où vois-tu ces implants dans son corps? Au niveau du thorax, de la tête. Thorax, tête. Demande-lui s'il a pris conscience de tout ce qui s'est passé. Genou, pied, Ah oui, il main. est bien implanté. Demande-lui s'il a pris conscience de tout ce qui s'est passé avec Myriam. Comprend pas. Qu'est-ce qu'il comprend pas? Il comprend pas parce qu'il la voit différemment.
Donc, il comprend pas. Qu'est-ce qu'il comprend? Ben, il comprend pas qu'elle soit comme ça maintenant. Qu'elle Il soit comprend. lumineuse. Oui, qu'elle soit lumineuse, Bah, qu'elle soit comme explique-lui qu'elle ça. était bourrée d'implants et que maintenant elle Voilà. n'a plus d'implants et que lui aussi il en a plein. Essaye de lui expliquer rapidement ce qui s'est passé s'il n'a pas vu. Non, mais il comprend, mais ça le choque, ça le choque, entre guillemets. Voilà, et que lui, il est d'accord. Oui, lui, il voit ses implants, ça y est, oui. Bien. Maintenant, fais venir les responsables, ceux qui ont mis les implants dans son camp. Dis-lui de se présenter à lui. Ça y est, il est là. Il en pense quoi quand il les voit? Ça lui fait quoi? Bah, c'est comme s'il les connaissait. Mmh. Non, il n'a pas forcément peur. Bien. Les implants qu'il a dans son corps, ils servent à quoi? À le contrôler aussi, à le bloquer, Bien. La à ne toute. pas aider Myriam. Oui. Il met des bâtons dans les roues de Myriam aussi. Oui, ça peut, oui. Donc par le contrôle des autres. Ok. Ouais. Donc il vient de prendre conscience de ça. Oui, mais pour lui, c'est. Bah, il... C'est comme s'il faisait rien de mal. Pour lui, c'est normal. Il est un peu perdu. Hein. Tu sais, comme s'il savait pas trop ce qui était bien, ce qui était mal. Bien. Est-ce qu'il prend conscience qu'il a été C'est contrôlé normal ou mentalement pas? par ces reptiliens pour faire du mal, pour entraver? Stéphane. Il est encore. Lui, il est. Il est perdu, il est dans le vague. Bah oui, il y a de quoi Il se rend remonter. pas compte. Hein. Non, c'est comme si Tu sais, quand tu parles à quelqu'un de quelque chose qu'il comprend pas. Ouais. Ouais, c'est un petit peu dur à intégrer, c'est sûr. Oui, peut-être qu'il n'est pas ouvert à ça aussi dans sa vraie vie. Hein. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un qui est ouvert à ce genre de choses aussi. Bien. Maintenant, tu vas lui montrer ses deux enfants avec les implants dans leur corps. Ça va peut-être le faire réagir. Oui, là il dit, mais pourquoi vous avez ça sur vous? Bien. Demande aux responsables à quoi ça sert. À quoi servent les implants dans leur corps? Pour pas qu'ils se développent, pour pas qu'ils fassent leur vie, entre guillemets, pour pas qu'ils se développent. Pourquoi ils ne veulent pas qu'ils se développent? Parce qu'ils viennent d'elle. Il veut continuer à ce que ses enfants ne se développent pas et qu'ils soient bloqués dans leur vie et qu'ils n'arrivent à rien. Demande-lui. Non, il veut pas, mais il dit, mais comment on fait pour enlever ça? Alors tu lui dis, il suffit de le vouloir, par sa propre volonté, simplement.
Bah, il dit, il Bon. veut bien essayer. Maintenant, on va retourner. Non, il va pas essayer, il va faire. OK? Maintenant, on va retourner au moment où il a été. Là, au moment où il les a laissés entrer dans son corps, la toute première fois, en fait. Et regarde quel genre de deal ils ont passé ensemble. Lui, c'était de l'argent et du pouvoir qu'il voulait. Mais pas dans cette vie-là, hein. Dans une autre vie. Peut-être une ou deux vies avant. Ouais. Et regarde, à partir du moment où il a accepté le deal, est-ce qu'il a eu de l'argent et du pouvoir après? Bah, je vois qu'il a eu de l'argent. En fait, il a été. Si, si, il a eu l'argent. Mais c'est comme s'il avait été aveuglé par ça. Et qu'il s'est pas rendu compte que la vie, c'était pas ça. Enfin, il s'en est rendu compte après. Que la vie, c'était pas l'argent. Que c'était pas. Je ne sais pas s'il a eu le pouvoir, mais il a eu l'argent. Ça, je le vois qu'il a eu l'argent. Comment ça a été sa vie par la suite? Donc il a eu ce qu'il voulait, mais est-ce qu'il a été plus heureux ou moins heureux finalement? Non, c'était que des problèmes, que des pertes d'argent, des Donc au final, ça a été plutôt inutiles. négatif. Ok. Oui, c'était enfin inutile, enfin de l'argent, mais pour rien faire. Donc que souhaite-t-il maintenant? Il souhaite garder ses implants et continuer ce genre de vie ou bien? Il veut tout annuler. Il a le choix. Il a toutes les cartes en main. C'est un malin, lui. Il espère toujours qu'il va avoir de l'argent. Après, on ne peut pas aller au-delà de son niveau de conscience. Oui. Il espère toujours qu'on va lui donner de l'argent, que. D'ailleurs, je sais pas s'il joue à des jeux. Parce qu'il croit qu'on va lui donner de l'argent. Qu'il y a de l'argent comme ça qui va tomber du ciel. Il fait des grattages. Ah, il fait des grattages? Ah, bah oui, voilà. Bah, ça sert à rien parce qu'il va pas gagner. Ils vont pas lui donner. Bien, que Ils veut-il faire? en fait, c'est comme ça qu'ils le tiennent. Ils le tiennent par ça. Par là, les sous. Alors, bah ouais, parce qu'ils lui promettent qu'il va avoir Bah de l'argent. Bah, comme il l'a déjà eu dans une oui, autre vie. c'est resté. Mais pas les pas le côté négatif, il a oublié ça. Voilà, oui. Ouais. Alors, il a pris sa décision. Bon, alors, est-ce qu'il a pris sa décision, lui? Il ronchonne. Il fait je veux pas, mais comment je vais faire? Bah, qui regarde ses enfants. Et l'argent et le machin, et comment je vais faire? Moi, j'ai fait ça pour avoir de l'argent. Bien. Je pense qu'il suffit d'un peu encore pour l'accepte. C'est comme si, en fait, il voulait pas. C'est qu'il est entre guillemets, il est un peu feignant, quoi. C'est qu'il veut pas travailler pour. Il veut prendre des raccourcis, Ouais, voilà. c'est C'est ça. quelqu'un qui veut prendre des raccourcis et qui veut pas forcément. Lui, s'il lève le doigt,
enfin, s'il fait quelque chose, c'est qu'il faut que le résultat soit multiplié par 10. Il ne veut pas que ça soit 1, 1, il veut pas que ça soit 1 égale 1. Il veut que ça soit 1 égale 10. Donc, et il croit que c'est. Il croit, hein, il croit que c'est. Il croit qu'en faisant. Que ça va tomber. Bien, laisse-le réfléchir. Maintenant, tu te connectes télépathiquement à Matisse. Alors, Matisse. À quel moment il a été implanté? Regarde, la toute première fois. À quel moment il a laissé rentrer l'entité? Ah, lui, il devait être dans le ventre de sa mère encore. Et en fait, ils sont venus le voir Ouais. et ils lui ont dit, en fait, ils l'ont eu parce qu'ils lui ont dit, mais regarde, ta mère, elle est comme ça, Ouais. bah, toi aussi, il faut qu'on te mette ça. Ah ouais. Puis comme elle en avait déjà plein en elle. Voilà. Donc, comme il voyait qu'elle Comme en avait maman. déjà. Ouais, ok. Donc lui, ils ont fait ça avec, bah d'ailleurs avec les deux enfants, puisque c'est le même qui leur a mis. Ok. Donc ils lui ont fait faire ça comme ça, voilà. Bien. Demande à Matisse maintenant s'il souhaite se débarrasser de ses implants. Oui, lui, il veut, Bien. il sait que ça sert à rien. Alors il dit au reptilien de tout lui retirer maintenant. Rapidement. Il enlève tout. Bah, ça se fait plus facilement, tu vois, Bah oui. avec lui. Ça s'enlève facilement. Et il va annuler l'accord qu'il a passé avec lui. Il n'accepte plus. C'est terminé. Il veut pas d'implant comme maman. Maman, elle en a plus maintenant. Voilà. Bien. Donc le reptilien, il désagrège les implants et il s'en débarrasse. Voilà, c'est fait. Bien. Il lui dit de sortir de sa sphère énergétique, de s'ouvrir à un portail et de disparaître. Parti. Voilà, ça y est, oui. Ça y est. Dis-lui d'augmenter ses fréquences à une valeur où il se sent bien. Il augmente ses fréquences. Tu vas me faire bailler. Bah oui, parce qu'il il est à 10 000 là. Maintenant, connecte-toi sur Sarah. Alors ça, hein. Oui. À quel moment elle a été implantée? À quel moment elle a accepté la présence de l'entité? Alors pareil, bébé. Enfin, dans le ventre. Ouais. Et après aussi, je vois qu'ils sont revenus deux fois pour elle. Ouais, pourquoi? Ah bah parce qu'il va l'essayer avec elle. Si ça peut marcher avec elle, une hybridation. Ah. Et ils ont essayé deux fois, une fois petite, 5-6 ans, peut-être 4-5-6 ans. Et une autre fois, peut-être 14 ans, adolescente. Elle s'est retrouvée sur les vaisseaux. Oui. Oui. Est-ce qu'elle veut continuer avec ces êtres? Elle veut se Non, elle, débarrasser si d'eux. non, non, elle veut pas. Elle veut pas non plus, elle. Et dans le ventre, ils lui ont dit la même chose, que c'était pour faire comme maman. Ouais.
Donc elle leur dit de tout retirer maintenant. Elle annule tout, toutes les expériences qu'ils ont pu faire sur elle, le pacte qu'elle a passé avec eux. Elle annule tout. Et il retire les implants. Ah, c'est une jolie fille, hein. Elle a pas la même énergie que sa mère, mais elle a une belle énergie aussi. C'est une jolie fille. Ils sont durs à enlever les implants dans les organes génitaux. Ils sont durs. Ouais. Alors, je pense que c'est parce que c'est plus sensible, peut-être. Parce qu'ils lui ont mis des trucs dans les organes Ben génitaux. oui. Ils lui ont pris des ovules. Ah non, ils veulent pas me répondre ça, sur ça, peut-être. Bien. Qui Je sais. retire tout sans lui faire mal. Oui, c'est ça, oui. Et sans abîmer ses corps à ce niveau-là, qu'il remette tout bien comme c'était. Enfin, tout a été enlevé, à part les. Il reste des choses dans les organes génitaux. Tu vois quoi? Bah, des fils qui font de part et d'autre, des espèces de trucs en métal, des fils. Dis-leur de tout nettoyer, de tout retirer. Il ne doit rien rester. Il nettoie tout. Et il lui retire doucement sans rien endommager. Ouais, c'est pour ça, ils vont doucement. Je leur dis d'aller doucement. Oh. Ça doit pas être plaisant, ça. Hein. Oh là là. Est-ce que ça lui a créé des douleurs? Ben, je pense que oui, et même là, ça doit faire C'est comme si on retirait un truc de l'intérieur, quoi. Donc ça doit faire. Moi j'ai une sensation, je suis pas bien. Hein. Ah ouais, tu ressens. Ah oui, je ressens, oui. Je ressens ce qu'elle peut ressentir, quoi. Enfin, c'est presque Il fini. retire ça avec quoi? Bah, c'est comme si le truc il sortait seul et qu'après il l'attrapait et D'accord. qu'il le retirait Ouais. Ok. avec la main. Donc une fois qu'ils ont tout retiré, ils les détruisent, les implants. Ils s'en débarrassent. Bon, voilà, ça y est. C'est bon? Ouais. Tout est sorti? Ouais. Bien. Ils les ont détruits? Ils sont en train de les détruire, là. Ils les détruisent comment? Ouais. Ils désintègrent. Ils mettent ça dans des. Ouais, ils désintègrent. Donc elle leur dit de sortir de la sphère énergétique quand ils ont tout désagrégé et ils disparaissent. Ça y est, ils ont disparu là. Comment C'est elle se bon. sent maintenant? Elle se sent bien, elle se sent libre. Dis-lui d'augmenter Libre. ses fréquences aussi, jusqu'à une valeur où elle se sent bien. Là, elle est à 8 500, 9 000. Voilà. Bien. Maintenant, tu reviens à Stéphane. Et tu lui redemandes une dernière fois s'il a pris sa décision.
Il y a ses enfants qui lui demandent aussi d'enlever ses implants. Que décide-t-il? Il veut bien, mais il n'est pas motivé, hein. Il veut bien. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir après ça, quoi. Il a l'impression qu'il perd des choses. Il a l'impression qu'il perd des choses. On va faire une futurisation. Il va voir ce qu'il se passe pour lui une fois qu'il n'a plus d'implant. Et il aura le choix de les remettre si Ah. ça ne lui plaît pas. OK? Alors regarde, en futurisation, comment sera sa vie sans les implants? Et dis-moi ce que tu veux. Bah alors moi je vois une vie avec plus d'amour, plus de sérénité, mais pas plus d'argent. Mais pas forcément la fortune, quoi. Bien. Maintenant, Et regarde en conservant ses implants, comment est son futur? les liens se font pas avec ses enfants et sa femme. C'est moins fluide, on dirait qu'il y a des problèmes. L'argent. Des problèmes. Ouais, des problèmes d'argent, des problèmes de administratifs, des problèmes. Même pour lui, il ne sait pas ce qu'il fait, où il va. Que décide-t-il? Il les conserve ou il s'en débarrasse maintenant? Il a toutes les cartes en main. Bah, il manque un peu de courage, hein. Encore, hein. Il manque un peu de courage. Il n'y a que lui qui peut prendre la décision. Ouais. Donc Je que ce monte soit. sa vie avec de l'amour et de la sérénité, quoi. Bah, il se dit s'il a des problèmes et qu'il a de l'argent après, mais il n'en a pas là. T'as pas d'argent après, il n'y en a pas. C'est un leurre. Ah, ils lui ont ancré ça dans la Ah tête, hein, à ouais, fond. Hein. c'est bien. Ah oui, à fond. Hein. Ils lui ont bien mis ça dans le crâne. Hein. C'était la faille. On va lui enlever cette peur, Rachel. Vas-y. Parce que c'est une peur qu'il a. Ok. Elle Une est où peur cette peur? du. Elle est dans le ventre, une peur du Bien. manque, une peur, je la vois là, ça y est, un peu grisonnante, noire. Alors dis-lui, avec ses deux mains Là. énergétiques, demande-lui d'abord s'il veut bien se débarrasser de cette peur. Si, si, ça y veut, ça y veut. Ok. Alors avec ses deux mains, il prend cette peur. Et il forme une petite boule avec. Petite, pas Forme une petit, boule. hein. Ouais, une boule, ouais. Donc, quand la boule elle est formée, tu la sors. Il la sort de son corps complètement. Et tu me dis par quel endroit de son corps ça sort. Bah, ça sort par le ventre, devant, par Bien. le ventre, là, en Cette. dessous du nombril. Maintenant, cette peur, il la désagrège complètement, il s'en débarrasse. Et dis-moi de quelle manière il la détruit. Bah, avec ses deux mains, il la désagrège, comme ça, Bien. tac, désagrège. Comment se sent-il sans cette peur maintenant? Bah, il est mieux. Ah, il sent mieux là, ça y est. Il se sent mieux. Est-ce que tu vois autre chose qui Voilà. pourrait l'entraver? Non, il est prêt là à enlever ces trucs, ça y est. Ça lui, Alors, ça, il sait que ça lui sert à rien là. allons-y. Il dit aux êtres de retirer tous les dispositifs qu'il a dans son corps.
Pardon, ils sont en train de lui enlever. Hein, là. Ils sont en train de lui enlever. Elle lui enlève d'un peu partout, de la tête, des mains, des pieds, du thorax, des genoux. Il va rompre le pacte qu'il a Voilà, passé avec voilà. Oui. Détriche, parce que ça n'a pas suivi derrière. Donc il s'est fait leurrer. Il annule tout. Il hésite, hein, encore un peu avec, avec le pacte là. Là, il aime les sous. Allez, allez. Les sous qu'il n'a pas. Bah, c'est plus une sécurité Ben pour oui. lui, hein, et puis un pouvoir aussi. Là, c'est dur de se défaire de tout ça. Ouais. Une sécurité et un pouvoir pour lui. Enfin, un leurre. Ouais. Allez. Ça y est, il a rompu. Il a rompu avec eux. Alléluia. Voilà. Pff, pas facile, hein. Bien. Comment se sent-il maintenant, sans ces implants dans son corps? Il se sent mieux, mais c'est comme s'il avait plus de but. Plus de but. Comme, parce que c'est un truc qui l'animait avant. Une espèce de truc pour lequel il se battait dans la vie. Et là, c'est comme s'il avait plus Ça lui donnait une de. raison de vivre. Voilà. Non, pas forcément une raison de vivre, mais il se dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, il va dire à ses êtres de sortir de sa sphère, de s'ouvrir un portail et de disparaître. Oh, voilà. C'est bon, ils sont partis. Ouais, c'est bon. Bien. Regarde dans son futur maintenant, avec ses nouvelles conditions. Refais une futurisation pour lui. Je le sens apaisé, serein. Je le vois avec sa famille. Là, il est lié à sa famille. Mais elle est importante, hein, pour lui, sa famille. Elle est importante. Ça l'aide aussi, enfin, c'est ce qui lui donne de la force. Il va être plus proche, là, de ses enfants. De ses enfants, de sa femme. Il va reprendre aussi un rôle de père, peut-être qu'il n'avait pas, ou un rôle de chef de famille, parce qu'il s'était détourné de ça. C'était pas son objectif premier d'être un chef de famille. Et là, il va être chef de famille. Tu voulais que je voie par rapport au travail, peut-être? Je sais pas. Regarde si tu vois quelque chose. Ben, j'allais te dire que c'est pas ça le plus important Ouais. pour lui, mais. Enfin, tu notes une certaine harmonie Oui, dans la voilà. Et puis famille. il va. Non, mais il va trouver. Enfin, je sais pas s'il a du travail ou pas, mais ça va pas être. Ça va pas être un problème. Ok. Parce que lui est en harmonie maintenant. Eh oui. Donc après, tu attires les choses Voilà. qu'il faut pour toi-même. Bien. On les met un peu dans Ouais, la j'allais te dire, douche. on va ouvrir un portail. Oui. Allez, parce qu'il faut, Et il on faut va aller pour tout. en zone de régénération. Ouais. Donc Bon. Myriam, son mari, ses enfants. Dis-moi comment tu vois cette zone, à quoi ça ressemble. Tu ouvres un portail à une fréquence élevée.
Moi, je vois que tout est blanc, mais je vois là, je vois pas un bassin, je vois comme une source avec, je vois une source d'eau avec en dessous, un endroit où il y a l'eau se déverse, quoi. Bien. Donc, tout le monde rentre à l'intérieur et se régénère, se purifie complètement. C'est comme une douche Ça leur fait d'énergie du bien. qui va couler sur le haut de la tête. Et ça va nettoyer et renforcer l'intérieur. Donc, s'il y a des restes d'implants, tout va sortir par les pieds maintenant. Donc, au fur et à mesure, les énergies circulent. Tout est réharmonisé, purifié. Et tu peux le faire aussi si tu en éprouves le Alors, fais besoin. du bien. Moi, je vais le faire. Et tu me dis ce que tu vois au fur et à mesure. Je vois qu'ils sont ensemble, qu'ils se tiennent la main. Ils sont sous la douche, enfin sous la douche, entre guillemets. Ils reprennent en énergie, c'est marrant, ils deviennent de couleurs différentes. Ah Là, je oui. vois des couleurs un peu arc-en-ciel, ça change de couleur, c'est des tons très pastels, très jolis. Ils se régénèrent, je sens une unité qui se reforme aussi hein, entre eux. Donc quand c'est bon, tu me le dis et puis on va revenir. Je pense que c'est bien là. Ouais, c'est bien. Tout le monde est bien propre. Okay. Ouais. Bah, ils veulent rester, mais ça, on pourrait y revenir. Bien. Déconnecte-toi maintenant. Et on va revenir. Donc prépare-toi à revenir au présent, à la dimension terrestre. Donc je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et tu peux sentir ton corps qui devient plus léger, très léger. 2. Tu continues de revenir. Tu te sens aérien en lévitation et la sensation est merveilleuse. 3. Tu continues de revenir. Lentement. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. 4. Tu continues de revenir lentement. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux. Ça y est. Oh. Comment tu te sens? Bien, c'était pas facile. Ça Oui, va, Myriam? Tu as remis ton micro? Bon, ça va, Myriam, ouais. Ouais, merci beaucoup, hein. Franchement, vous avez assuré, hein. Je C'était t'en pas prie. évident. Merci. Il y a des choses T'as qui t'ont parlé. senti des choses, ouais. Ouais, j'ai senti des choses. Ouais. Ouais, à un Ouais. moment donné, ouais, j'ai eu. Ouais, j'étais pas très bien. Et... Ah oui, c'est J'ai eu un normal. grand coup de froid, là, c'était vraiment bizarre. Ah ouais. Bon, princesse Myriam. Non, reine, pardon. Je sais pas si c'est une Altesse. princesse ou une reine, mais quelqu'un d'important et tu as vraiment beaucoup de pouvoir. Je sais pas si tu le sens, si tu as cette intuition-là. Je suis toujours, oui, en train Pourquoi? d'essayer de faire du magnétisme ou quelque chose. Toujours en train Ouais, de chercher ouais. quelque chose, ouais, sur le plan ou peut-être faire de l'hypnose. Voilà, je suis vraiment, Ah. ouais. Ouais, Mais ce ouais. qui te bloquait, c'était tous ces Effectivement. implants, en fait. Ouais. Effectivement, les plantes, c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, je voulais faire une formation de botanique.
botaniste. Ah bah, Ah t'aurais oui? dû. Et j'utilise beaucoup de tisane, j'adore ça, Ah quoi. oui, Ouais. mais t'aurais dû parce que c'est un truc avec ça, vraiment. Et j'avais un blocage d'argent parce que c'est très cher, quoi, la formation, en Ouais. fait. Ouais, du coup, les implants Bah, t'ont il t'a toujours empêché, bah oui, il t'a bloqué, et empêché de faire l'argent, ça. tout ça. Mais oui. J'ai pensé à la naturopathie aussi, avant d'être Ouais, implant. mais tout ça, c'est. Tu vas exceller dedans. Ouais, c'est déjà en toi, quoi. Tu l'as en toi, là. Tu vas exceller. Si tu touches à ça, tu vas exceller. Donc, pour tes sorties de corps, les fais pas encore maintenant. Travaille bien sur tes énergies. Enfin, parce que là, ce qu'on a fait avec Rachel, tu es encore en période de repos, là. Enfin, excuse-moi, Rachel, je parle à Remission. ta place, Oui, mais. non, mais oui. Le temps que toutes les choses se mettent en Oui, se place, remettre bien en place, attention, ça hein. peut mettre du temps, bien sûr, avec Oui. tout Et ce qu'il y avait. puis, garde bien tes énergies hautes, fais des méditations pour monter tes énergies, fais tout ça, quoi. Voilà. Tu fais ce que tu aimes pour que tu Fais gardes ce tes que tu aimes, fréquences soit élevées, dans quoi. des endroits qui sont propres, qui sont sains, soit avec des gens aussi pareils, hein, des gens qui sont sains, des gens qui peuvent t'apporter, voilà. Ça, c'est la base. Ouais. Tout cas, merci Rachel pour ma famille, parce que j'ai vu quand même t'as poussé assez loin. Ouais, C'était oui. J'espère Merci. que dans le Ça temps, ça va, t'a c'est pas fatigué? trop. Non, moi, c'est plus une question de timing. Après, moi, Ouais, je c'est sais pour ça, que. parce que je sais que tu peux pas rester. Je connais pas ton prénom. Hassen, Hassen. Hassen, ouais. Bah, Ouais, je c'était. pas que ça te C'est fatigue. pas. Enfin, le mieux pour moi, c'est quand on fait une personne. Parce qu'on a bien le temps mais là, quatre, Mais c'est. ouais, ça prend du temps après Et sur puis les après, autres. les gens sont pas. Enfin, tu vois, t'as vu en haut, ils sont pas forcément d'accord. Et après, de passer de l'un à l'autre, c'est une gymnastique qui est pas évidente. Ouais. Mais Voilà. bon, là, je crois qu'il n'y avait pas trop le choix. Il fallait s'occuper des Non, enfants. il Puis après, fallait ça aurait parce été que. compliqué. Parce que si Myriam était nettoyée, que toute sa famille derrière avait encore les implants. Bon. Donc, du coup, j'ai poussé le truc. J'espère que ce sera suffisant. J'ai reçu. S'il faut, C'est on drôle fera parce. ton mari, mais. Voilà, s'il le souhaite, mais c'est. Oui. T'allais dire quoi, Myriam, ce qui est drôle? Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai posé les questions pour la première session, avec Allo, c'est ce que je lui ai dit tout de suite, mais je lui avais dit par mail, je suis sûre d'être bourrée d'implants, quoi. C'était Ouais. une évidence pour moi. Et quand on a eu la session, j'en avais qu'un. Donc j'ai trouvé ça vraiment un décalage, en fait. Mais c'est pas que j'en avais qu'un par rapport à la session que j'ai faite avec Allo. Je pense qu'on était sur un autre plan, quoi. Il y avait autre Peut-être, chose. ouais, On je travaillait sais sur pas. autre chose, quoi. Non, mais ils sont capables de les. C'est ce qu'on a vu avec Rachel. Ils sont capables de les faire Les disparaître, dissimuler, ouais. de les dissimuler. Et puis des fois, ils sont pas sur le corps éthérique, ils sont sur d'autres corps. Donc il y en a qui peuvent les voir et d'autres non. Ouais, Donc donc ils peuvent les ce dissimuler, ils jour-là, peuvent. ils ont dû faire quelque chose qui fait que rien n'a été vu. C'est difficile Ouais. de savoir, mais ils peuvent faire ça, ils ont ce pouvoir-là. Et je pense qu'à deux, c'est peut-être plus facile que tout seul aussi. Bah là, ils étaient deux, Forcément, non? hein. T'avais un canal. Ah, avec Ouais. Calogero, là. Oui, il y avait un Oui, canal j'avais un aussi. canal, parce Ah, que il y j'en avait un. refais. Ah, il y avait Ouais. un canal aussi. Ouais. Ouais, Peut-être que d'accord. Bon, maintenant, bah, peut-être que je pourrais. je sais pas. Mais oui, en tout cas, ça m'a tellement fait de la peine au début. J'imagine. Oh, Je suis désolée. c'était. Ouais, t'as Non, mais ressenti. c'est la sensation. C'était. Je sais pas comment te dire. Si tu portais ça. Ouais, c'est vrai que c'est fou, mais c'est un peu ce que je ressentais, quoi, de toute ma vie, c'est Ouais, c'est du de lourdeur. m'être adapté à ça, quoi, et je le Oui, savais. c'est ça, c'est ça. Donc du coup, ta Exactement. force intérieure était là, mais voilà, ça a été entravé Ouais. par toutes ces vies, tous ces implants. Que je disais, je dois avoir une force Ben de oui, fou, quoi, pour. Oui, ah oui, ah ouais, oui. c'est ça. Là, je me sentais. Oui. Bon, ben maintenant, tu es consciente de tout ça. Et puis, bah, tu nous diras dans les jours qui viennent, Oui, les semaines qui viennent, comment ça évolue pour toi. C'est ça le principal. les ressentis, ouais, c'est Ok. important. Bon, Voilà. je vais Merci éteindre beaucoup. l'enregistrement.